Je vais participer à Danse avec les stars d'Internet. Salut! Tu vas danser une valse. Wow. Et on a obligé d'en éliminer les deux. Je commence à stresser. Quoi qu'il arrive, le but c'est d'essayer de vous surprendre. Est-ce qu'on ira jusqu'à la finale? On le saura la prochaine fois. Je sais pas comment, mais on y est. Deuxième semaine de Danse avec les stars d'Internet. Écoutez, on est lundi matin, surlendemain de Prime où je suis passé de zéro à héros, j'ai l'impression. Je sais pas comment me situer avec tout ça. Il y a des gens qui me disent qu'ils ont pleuré avec ma danse. Je sais pas, c'est assez fou. J'ai reçu tellement de messages, honnêtement, c'est assez incroyable. Et écoutez, du coup, on a fini premier. Donc maintenant, c'est parti pour une nouvelle semaine. Je vais découvrir, alors pas ma partenaire parce que c'est toujours Inès, hein, sur quelle danse je vais danser, quel style de musique c'est, etc. Et en fait, maintenant, comme j'ai été numéro 1, j'ose pas encore me dire. Bah, faut pas être totalement nul, donc faut assurer quand même. Non, bah écoutez, on est parti, hein, nouvelle semaine. D'ailleurs, ça vous a fait kiffer, j'ai vu le vlog la semaine dernière. Des petits soucis à un moment, il a été bloqué et tout, mais bon, ça c'est la vie, c'est rien de grave. J'espère que celui-ci aussi vous fera kiffer. En route, on est parti, on connaît, hein. Petite banane, maintenant c'est que la win. Maintenant, ça vise la win. Maintenant, objectif, faut aller jusqu'en finale, faut ramener le titre. On n'a pas le choix, bon, faut pas décevoir. On est toujours là-dedans, mais là maintenant, faut prendre confiance. Mais faut pas que je me la pète non plus, tu vois. Faut pas non plus commencer à prendre le boulard. Parce que je reste quand même toujours. Mais c'est ce que j'ai dit sur le prime, genre la valse c'était trop bien parce que je connaissais par cœur. Le restant du temps, dès qu'il fallait un peu danser ou autre, vraiment à des moments j'applaudissais et je me rendais compte que j'applaudissais trop vite. Et tu sais, je voyais que j'étais dans les entretemps et tout. Et mais du coup j'ai regardé un peu Christian juste à côté pour savoir comment danser. Il faisait ça, t'as lui. Tu viens souvent ici? Écoute, tu es tout nouveau. Eh, hey, Jean-Marc Généreux, là. Ah bah. Tu quoi, t'es un mytho, t'es pas un danseur, t'es pas un streamer, t'es un danseur. Mais ça, c'est fort. Ah, on est posé. C'est une interview. Le boulard du coup. C'est horrible. En fait, j'ai aucun d'entre deux. Bon, j'espère qu'ils ne prendront pas trop de temps. Ça y est, il a pété un plomb. L'horreur du gars. Cette semaine, pour le deuxième live, il va falloir jouer un nouveau personnage. Il va falloir que ce soit l'orage, le feu, sur le plateau. Que tu joues un personnage fort. Ok. Il va falloir, quand tu rentres dans la salle de danse, tu dois jouer. Ok. Nous allons danser pour ce deuxième live, cette deuxième danse, un passo doble. Passo doble. Un passo doble. Ah si, c'est espagnol ça. Alors, il y a de la hanche. Alors non. Ah ok, cool. Il y a des portées incroyables à faire. Il y a évidemment des pas de base à effectuer. Il y a des grands sauts que je tentais de te faire faire. Il y a plein de choses. Donc c'est un peu flou là dans ma tête ce matin. Moi aussi. J'ai envie qu'on teste plein de choses et que tu me dises, je me sens à l'aise là-dedans, je me sens pas à l'aise dans ce pas. Ça va le faire. Comment il va l'homme puissant? L'homme puissant va super bien. Écoute, c'est tout ce que... Oh oui ou non? C'est pas puissant ça. Comment t'es puissant? Oh! Bombe le torse. Oh, il est puissant aussi là! Hey, arrête d'être aussi puissant là! Désolé pour le son, hein. J'ai vu les retours du premier vlog. En fait, le souci c'est que ça résonne de fou ici et on n'a pas forcément le choix parce qu'on peut pas danser avec des micros. C'est un peu la merde. Mais on donne le max. L'intro, une pour le moment. Ce que j'ai en tête, c'est Alice et Elsa qui sont avec toi. Okay. D'accord? Arrête! Toi, t'auras pas grand chose à faire. Okay. Et faire des choses impressionnantes. T'es pas un streamer, t'es un danseur. Intro 2, on est là, la deuxième partie, 0,17 à 0,38. J'arrive, tu vas voir, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de rythmique. Faut que moi je compte? Non, il n'y a pas trop de rythme. J'ai vraiment fait un truc sur mesure. En fait, t'es génial. Elle comprend. Donc, non. Ensuite, on a ce qu'on appelle un pont musical. Là, j'ai envie que ça soit une confrontation tous les deux. Donc, on va faire des trucs qui sont très passo-doble, par exemple. C'est plein de trucs comme ça dans le passo. Ça, avec des grandes fentes. Tu vois, il y a plein de. Voilà. Ensuite, partie 1 dansée, portée, partie 2 dansée. Ça. Alors, c'est quoi la danse? Une passo-doble? Moi je vais faire Dua Lipa cha-cha, Houdini, et je vais lui faire des parties de choré de Dua Lipa. C'est son rêve de faire ça. Donc je vais jouer à mort. Des exclus. C'est quoi la musique? C'est Yelchika Paradise. J'ai entendu, ouais, un peu le truc un peu épique et tout. C'est trop bien. Mais ouais, vous faites un matador. On est en train de bosser le porté là en passo. Elle est partie demander. Bonjour, excusez-nous. Désolé, on prend du temps. C'est quoi le son de vous? Angèle, Arène. Ah, stylé. Ah ouais, ouais. Truc épique. Mais genre une reprise. Ouais, c'est l'instru en mode épique. Ouais, c'est assez cool, ouais. Et ensuite, après, là, on teste des sauts, des portées, des trucs. Putain, il y a des sauts et des portées, Jojo. Faudra qu'on soit chaud, là. Je pense que c'est la 35 à deux balles. Ça.
de la prendre, t'inquiète. Wow. T'as vu la puissance? Ah, c'est incroyable. C'est ça, là. Ça, là. Ça, ça serait pas sauvé. Ça, on va le faire. C'est stylé, ça. Je le ferais pas sur une fente. C'est ses jambes tendues qu'il faut faire. D'accord. Tu vois, c'est un peu pour au quoi. Ouais. En fait, il faut toujours que tu imagines, donc tout ce que tu fais, quelques jupes, quoi. Tu vois? Ah oui, c'est le truc où j'ai dit une corée pour mettre la jupe. Oui, mettre la jupe, quoi. En vrai, je galère de fou, je dois apprendre des trucs et tout. Le niveau, il se corse. Hein. Ah, ouais, ouais, ouais. Vas-y, essaye. Juste garde un pékin, c'est exactement ça. Et donc de là, vas-y. Ouais. C'est bon. Très bien. C'est tout. Okay. En fait, elle fait tout en vrai. Ouais. Juste à le, bien la mettre, qu'elle soit à l'aise, elle. Et après, elle fait. Okay. Merci. Oui, c'est chef. Vraiment, on est comme ça. Et... Je vais faire 7, 8 petits sauts. Alors, petit saut, Péa. Un saut. Ah ouais. C'est ça. Et j'aimerais bien t'entendre faire. Ha. Vas-y, et... C'est ça. Mais c'est pas la suite, c'est pas mal. C'est pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4, 5. Ouch. 5, 6, 7. 8 et 4. Et du coup, on manquera un 8 et on est pas loin. Bon, écoutez, premier jour, j'ai découvert un peu la danse, etc. Ce qu'on allait devoir faire. Changement total d'ambiance, parce que là, j'étais doux, on était sur un petit nuage, il fallait être délicat, un peu amoureux, je me projette dans mon mariage. Là, yo soy señor Domingo. Si. Paso doble. Ta 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 ta. Pardon. Premier jour, je connais déjà la choré. Ouais. Abuse un peu. Si, c'est ça. Ouh, on va pas le garder. Jour 2, passe au doblé. Ça attend le studio en fait, parce qu'il y a Mich et Elsa qui s'entraînent. Tout le monde s'entraîne dans son propre studio. Nous, on en a pas. Après, voilà. C'est pas non plus là pour faire chier la prod ni rien, hein, c'est pas grave. On est que les premiers du classement, donc c'est pas grave. Aucun souci. Donc, t'as vraiment fait un cauchemar de la danse? Pas cauchemar de danse. Cauchemar de moi, c'est pire? Mais non, non plus. C'est vrai que je sentais que j'y pensais, un peu en réveil sueur froide, mais léger. Et non, mais là, je me suis endormi. Ah, ok. Les gens, ils t'ont kiffé sur le vlog. Ah ouais? Mais non, c'est pas une blague. Ah putain, je pensais que tu me prenais. Non, non, je te prenais pas. Bah, c'est sympa. C'est sympa. Qu'est-ce que t'as à dire aux gens? Bah, merci. Voilà, bah, oui, on peut rien dire de plus. Final, finalement, merci beaucoup. Partage, hein. Mich qui relance une danse. Et là, mais c'est encore une danse qu'ils ont déjà fait, non? Non, c'est pour samedi, là. Ils ont pas déjà dansé là-dessus? Ouais, j'ai regardé toute la saison. Peut-être que si, peut-être qu'il l'avait déjà fait en vrai. Ah oui, t'avais suivi Dams J'avais check, ouais, de temps en temps. Oh le gars, le t-shirt Michou là. Hein? T-shirt des croutons. Putain, ça y est, je suis grillé. La Inès va nous faire récupérer le studio. C'est le caporal. J'ai quand même l'impression que dans ce vlog, je suis pas très sympa. Non. On apprend à découvrir une part de toi, non. Quoi. Non, mais cette part de moi, tout le monde connaît. Mais personne connaît la souplesse. Bah, je te confirme. Gentillesse. J'aimerais bien la découvrir, quoi. Non, pas forcément. Ça viendra peut-être en troisième semaine. Il est méchant. Oh non. Mais voilà. Oh non. La journée est ruinée. On y va, il reste 10 minutes dans le traitement. Vite. Je te prends un truc, Alex. Ouais, merci. Vite. Ah, y'a pas la béquille, Merde, c'est pas grave. Voilà, donne tout maintenant. On s'est volé notre salle. Attends, moi j'étais là, j'étais en train de danser. Dans ce coin, on me réceptionne ma salle, ok. C'est Inès, c'est pas moi. Non mais Inès, ça a l'air d'être... Une personne adorable. Okay. C'est pas ce que j'allais dire, mais ok. On est obligé, sinon elle va... La cote de popularité va... La réputation commence à se faire. Hein. Ouais, non. Il peut pas venir regarder quand on est avec moi ce soir parce qu'il est sur Popcorn. Les frérots avant tout en vrai. Petit rituel de... Putain, t'as les trapèzes toi. Mais non, mais... Dis donc, attention. Belle surprise. Ah, je vais aller avec Elsa. Arrête. Elle a vu comme voler ma meuf. Tu nous prends notre studio pendant 20 minutes. Et bah ton mec, c'est sous le nez. On est en train de tester des micros, mais je pense que ça ira pas, notamment pour Inès, pour danser. C'est les trucs, de temps en temps, utilisés au padel et tout. C'est juste qu'en fait, il y a la musique, ça réverbe, c'est pour ça que c'était galère. J'ai vu tous vos commentaires, hein, les frères. Mais bon, on verra si c'est un peu mieux ou pas. Et on l'enlèvera à des moments. En vrai, on fait au mieux. L'idée, c'est que vous puissiez capter un peu la vibe, quoi. La Dalcy Family, quoi. En fait, hein. En fait, il faut que quelqu'un lise ton mot, quoi. Comme d'hab, tu vois. Ah bon? J'ai l'air con, là, non? Non, vas-y. C'est ça.
tu tournes, deux, et alors, bien de face, mais c'est Okay. Position de base, comme d'hab avec la main, okay. D'accord. Et ouvre, on va faire le Jean-Marc, je te dirai le Jean-Marc, voilà, le Jean-Marc, ça fait ça et ça, et donc ça fait bam et plus fort. Ah, faut se mettre un coup, ok. Ouais, enfin okay. Un peu d'oumbé, c'est ça. Oui, oh, non. moins de rêve, juste normal, soit toi-même, On marque, je saute, tac, tu tournes, tac. Gauche ou droite? Non, droite. Toujours vers le sens des aiguilles d'une montre. Ah oui. Et j'espère bien que ta montre tourne dans le même sens que moi, sinon vraiment c'est un peu dommage. Sois bien concentré. Ah mais attends, je crois que je fais ça pour m'amuser. On va se faire une comptine. Oui, la chanson, elle a préparé un banger, un hit. 1, 2, 3, 4, chassé, croisé, je sais plus que ça déjà, je l'ai oublié mais... Pas chassé, posé. TF1 nous rattrape, c'est les derniers moments avec un son correct, il y a des interviews à faire. Et bam, et bam. Et là, tout de suite c'est la déception. Regarde bien le son filé. La. Ouh. Il est magnifique, tu l'as bien vu. Bonjour les amis. Oh, ça s'entraîne un petit peu. Ouais. Le retour du GOAT. Vous connaissez un petit peu le jury actuellement? Ouais. Le cinquième qui va s'ajouter cette semaine. Non. Mais non. Ah là là. J'ai envie que tu crois que je suis ténébreux, ouais, tu vois, c'est... T'as le regard un peu en mode... Oh, oui, c'est ça que je cherche, c'est ça que je... Bah, c'est peut-être pour le jury après, et pour le public, et encore plus, tu vois. Je note. Je sais comment avoir une bonne note si je monte 2-3 chicos. Exactement. Il y a Bouzy qui est de retour, apparemment, dans le jury. On vient de découvrir ça. Je lui ai fait une petite démo histoire de gratter des points. Je pars à 8. Ouais, tu plies à 8 là. J'ai pas dit. Ah, baisse, pardon. Aïe, c'est là où j'ai mal. Oh, pardon. J'arrête pas de te... Mais c'est parce que j'arrête pas de faire ça. Ouais, bah je crois que oui, ça m'a créé une douleur chronique. Non, c'est pas ça. Une maladie. Non, t'as dit que c'était le paddle. J'ai une maladie. Donc toi, tu dois m'envoyer là, et moi, je dois t'envoyer là. Voilà. C'est ça. Sur la croûte. T'as mal? Avance. Ah, quand même. C'est la glissade. Ouais. Et tu devrais mettre un compide. Pardon, je me moque. Enfin, je me moque pas vraiment. C'est en même temps mignon et en même temps un compi. Mais tu sais pourquoi je parle beaucoup avec les mains? Parce que j'ai une petite nièce qui est sourde. Oh. Ouais. T'as appris des trucs à l'on dessine? Un petit peu, mais je suis vraiment très nulle. Elle a quel âge? Elle a 4 ans. Ah, du coup, elle commence à apprendre aussi? Ah, elle parle mieux que nous. Elle a des appareils. Mais quand elle a pas d'appareil, okay. J'entends pas. Fait beaucoup de signes. Ouais, pour appuyer un le propos. Un peu à notre sauce, ouais. Mais pour appuyer le propos. J'ai toujours été un peu comme ça, mais d'autant plus depuis qu'elle est là. Ah, ok, d'accord. Il y a beaucoup de trucs qui s'enchaînent où il faut à la fois mettre du bassin, avoir une très bonne synchro, c'est un truc, hein, le bassin. Viens plus près parce que sinon les gens vont câbler. On va dans notre coin. Bien, bien fier. On va se cacher pour faire les plans du vlog. Histoire que vous ayez un son à peu près correct, je vous protège. On n'a pas le choix parce que regardez toutes les caméras qu'il y a, c'est pour les interviews. En gros, de temps en temps, ils nous demandent où on en est et tout, et ils font des petits magnétos ensuite que vous avez dû voir si vous avez vu le Prime. Sinon, c'est dispo sur TF1+. Même, une collaboration plutôt sympa. En vrai, j'ai vu que vraiment, encore merci, parce que tous les retours positifs et tout, c'est une dinguerie. J'ai reçu tellement de messages de gens qui me suivent depuis hyper longtemps, de gens qui m'ont un peu découvert, que j'ai un peu surpris. C'est une dose d'amour qui est délicieuse. Merci énormément pour ça. Bon, du coup, qu'est-ce qui se passe cette semaine là? On a notre danse, ouais. Le passo doblé. J'imagine qu'il va y avoir d'autres choses à faire après. Eh ben, écoute, c'est un peu la même mécanique que le Prime dernier. Donc, on va tous faire notre première danse, donc nous, notre passo doble. À l'issue de cette première danse, il y a un classement. Le premier du classement, cool seat, la régalade. Ce qu'on vise. Vraiment, c'est ce qu'on vise, c'est trop bien. Les autres, deuxième concours, concours de la chorégraphie imposée. Michou et Elsa nous ont envoyé une vidéo d'une chorégraphie qu'ils ont faite lors de leur saison. Et on a une trentaine de secondes à apprendre, donc on va tous faire la même chorégraphie. Donc, c'est celui qui reproduira le tour mieux. Tour à tour. Donc c'est encore une fois une question de, je sais pas, peut-être que ça sera 2, 4, 6, 8 points, peut-être... Ouais, il y a un truc de points qui additionnera la danse. Mais il y a un truc de points. Ça sera additionné et il y aura un nouveau classement. Et le premier de ce classement va rejoindre l'autre couple en cool seat. Ouais, donc 2 qualifiés et ensuite j'imagine c'est un truc de... Et bah du coup on est 3 à faire le face-à-face. 2, non? Bah non, on est 5 couples. Je crois qu'il y en a que 4, non? Ah. Y a pas Je crois que on a un doute de savoir exactement ce qui se passe, mais il y a un monde où on est que 4 et il se passe juste un happening et tout. D'accord. Et du coup, je pense que là, c'est le face à face. Oui. En 1v1. Et c'est le chat qui vote? Je ne sais pas si c'est le chat ou si c'est le jury. Internet, faut que ce soit le chat. Sauvez-nous, s'il vous plaît. Hein. Après, s'il y a bugs, ça envoie. Toi, tu vas diffuser cette vidéo le lendemain de... Le vlog, c'est le lendemain. Bah, tu vois, si c'est le lendemain, au moins, ils se rendront compte. Juste, j'aimerais un zoom sur ma tête le moment où, hein, où on verra que vous nous avez pas soutenus. Voilà, juste... J'hésite, c'est en...
mais j'ai confiance dans les gens. Après, si on est nul, on est nul aussi. Tu vois, si on est nul et qu'on mérite pas, bon, on mérite. Non, pas. On va être excellent. Ça, c'est Inès. Ça, c'est Inès. Tu vois, un peu qui c'est elle. On est à la fois dans quelqu'un de gentil, de doux, parce que faut le préciser. Elle a peur que vous pensiez que bah, c'est oui. un monstre. C'est pas du tout le cas. Je ne suis pas maltraité. Oui, j'ai des bleus qui sont apparus sur le corps, mais c'est pas forcément de sa faute. En effet, j'ai le genou en sang. En effet, j'ai dû aller à l'hôpital pour le pied. Faux. Mais c'est pas grave, d'accord. En vrai, t'es la boss et là, aujourd'hui, bien. Excellent. Pa. Bien le. T'es excellent, PA. Putain. On va le gagner, ce truc, hein. Je te dis, je vise la première place parce que j'ai pas envie, première ou deuxième place, en fait, d'être sauvé sans devoir aller au face à face. Ah oui, là, direct. J'aimerais qu'on soit en cool seats, que ce soit à l'issue de la première ou la deuxième manche, parce qu'en fait, t'en es capable et je veux te prouver que t'es capable de le faire. Elle m'aide à avoir confiance en moi. Parce que c'est vrai que c'est pas simple d'être un mec viril, non, matador dur. Et tout, là. Je te montre la vidéo. Ah, ok. Important d'avoir bien les cas et du groovy. Groovy, c'est de la hanche. Groovy, c'est du flow, ouais. La petite fierté tout à l'heure. Ah oui, c'est... À la musique, j'avais dit que c'était une ancienne danse. Ouais. J'ai envie de te donner les bonnes infos, mais j'ai pas envie d'en mettre plein. Pas besoin de bonnes infos. C'est pas ça, c'est pas le bon mouvement. C'est pas grave, ça te va bien quand même. Essaie d'être gentil. Ah, vous pouvez le garder celui-là dans la vidéo. Non, de toute façon, on n'entendra pas. Avec l'écho, tu vas pas le micro. Si, en vrai, ça va. Ça va être bien. Ça le fait un peu pour l'instant. Ah. Oh. On est passé d'un ange démon, mais qui suis-je vraiment? On va essayer d'être plus collé à la fin quand même. Essayer d'être un petit peu plus collé parce qu'on en est très loin. Mais c'est vachement bien. J'ai mis KO, ouais. Oh, on est un peu fatigué. En même temps, t'as streamé jusqu'à 2h du mat aussi. J'ai une vie à côté de la danse. Moi aussi j'ai une vie à côté de la danse, c'est vraiment trop bien. Ah cool. Allez. Moi je sais pas en fait, j'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas. Ouais c'est bien. Ah bah J2 t'as la tête. Trop bien toi. Merci. Franchement t'es trop un boss. Ouais, wow, c'est gentil. C'est vrai. Pour ça, un peu de salsa. Je suis KO. Deuxième journée de répète. Inès m'a dit qu'elle était super contente. Honnêtement, ça régale parce que c'est dur. Il y a plein de trucs à apprendre. Beaucoup de moments où je suis vraiment perdu. Je vais pas faire le faux modeste, hein, parce que c'est vrai qu'avec le truc de la semaine dernière, ça commence à faire un peu le mec qui, voilà, j'ai pas révisé, je vais être dernier et boum, j'envoie un vrai truc. En fait, je n'arrive pas à savoir si c'est bien ou pas. C'est juste Inès me dit qu'elle est très contente, que c'est archi bien. Alizé a validé. C'est l'attitude après. Ce truc de comme ça qui est dur, tu vois. Mais du coup, non, c'est bien. Hein. C'est bien. Hello. Ça va? Ouais, toi. En forme? Ça va, mon Alex? J'ai des petites genouillères, comme ça je vais pouvoir bien faire les trucs. Et ils m'ont mis des chaussures spéciales à talonnettes. Nouvelle journée, on va devoir apprendre à rebosser quand même le passo là. Et en même temps, on va devoir faire. En fait, on a une choré improvisée. Donc, du coup, on a 30 secondes qu'on fait Michou et Elsa à l'époque. Et là, ils l'ont refait. Et c'est un mix de quick step, donc ça doit être les pieds. Carlton, c'est ça là. Et ça va être un mélange de tout, donc je crois qu'on va apprendre ça aujourd'hui. Et voilà, c'est déjà pas mal, on faisait les interviews là ce matin pour les manifs. Et on a bien rigolé, voilà. Et maintenant on rentre dans la pièce avec le son de merde. Et voilà. Merci d'ailleurs, bientôt 900 000 abonnés. Hein. Oh là là, on va l'avoir le million. 895 265, au moment où on parle. On est en train de se rapprocher du million, dangereusement. Une petite cloche, ça coûte rien. En fait, à chaque fois que je demande des trucs de like, c'est à la fin des vidéos et c'est un peu en boomer, tu sais. Où c'est pas assumé. Alors quand tu vois Bouzik, en mode, je suis sur Michou à 20 000 likes.
Ma petite bouse. On y revient à chaque fois. Dès que c'est bousy, ça parle de paix et de. Ça va quand même là. Elle est copiée, non? Ouais, on fait beaucoup de portées de figure. Du coup, je la tiens énormément là. Je la soutiens et ses pieds, ils volent, tu vois. Forcément, j'appuie là. Ouais. C'est quoi, tu penses, ça fait des bleus? Des bleus là, quand t'es pas habitué à ton corps, ils prennent des coups. Tu fais vite mal les côtes, quoi. Ouais, c'est... Ah, t'as pas le choix, quoi. C'est ça. Ah ouais, semaine de plaisir. Semaine de douleur. Fais ça... comme si ça faisait pas mal. Sympa, putain. Ouais. Il y a peut-être un duo qui est blessé. On a pris les infos, peut-être une côte fêlée pour Gaël. L'entraînement trop intensif. On se réjouit jamais, nous, on se réjouit jamais de ça, bien sûr. Ah non, mais c'est vrai que putain, ça a l'air physique leur entraînement. Faudrait un moment laisser une cam pour voir un peu comment ça se passe. Tu veux une cam espion, genre? Une cam espion, c'est pas mal. Genre, je glisse un iPhone sous la porte. Ouais, ouais, en vrai, ça serait un peu. Essaye d'avoir des plans un peu comme ça. Bon, vas-y, je vais essayer d'aller espionner. Tu veux que je te fasse un petit shoes opening? Bon, vas-y. Shoes opening, c'est ce avec quoi je vais danser. Oh. Ouh là là, c'est toxique ça. Hola. Alors Alex, c'est de la chaussure qui... Putain, en plus moi, je suis du 45, on dirait vraiment que j'ai des pieds de clown avec ça. Pourquoi t'en as deux du coup? C'est une chacun? Bah non, elle est en talon. Tu penses c'est pourquoi du coup là? Une d'entraînement et une du prime? Non. Mais c'est les mêmes. Les mêmes? Est-ce que c'est vraiment les mêmes? Pourquoi tu me fais une phase genre comme les profs en mode... Ouais. Alors la bonne réponse... T'as pas d'autres idées? Est-ce que c'est vraiment les mêmes? Alors franchement... Qu'est-ce qui pourrait différencier? Pourquoi on aurait besoin? Celle-là elle est plus pointue et celle-là elle est pourquoi un peu plus arrondie. Pourquoi on aurait besoin? Non, c'est le même modèle. C'est le même? Ouais. J'en ai aucune idée. Il y a deux tailles différentes pour savoir c'est quoi la meilleure taille. Ah ok, d'accord. Ça ils vont rendre l'autre. Ah je m'attendais à un truc un peu plus stylé mais... Non, y a rien. Par contre ce style il est... Ce style... Il est problématique ce style. Hein. Elle te donne les chaussures déjà? Ouais, c'est pas mal. Je pense que je vais prendre, parce qu'en fait, si je prends 45, souvent ça me fait des panards. Mais Donc t'as pris les talons les plus hauts. Non, c'est pareil. Non. Mais c'est les mêmes chaussures. Non. Parce que pour moi, c'est deux pointures différentes, on est d'accord. Mais c'est les mêmes modèles. Non, c'est pas les mêmes. Ah non, c'est pas les mêmes modèles, les copains, regardez, le talon est pas le même. Mais le talon est exactement le même, Agnès. Le talon est exactement le même ou pas? Le talon est exactement pareil. Non, c'est juste voilà, que non, c'est pied gauche et pied droit. C'est non, j'avais raison, il y en a un plus épais que l'autre. Je te dis que non. Il y en a un plus épais que l'autre, je suis pas fou. C'est plus petit. Tu vas bien, c'est plus petit ça. Colle-les. Ah bah voilà, du coup j'ai les plus petits. Il faut les plus petits? Bah non, pas il faut, c'est comme toi tu te sens dedans quoi. Comment tu te... Déjà dans les chaussures là? Bon, très agréable. J'ai l'impression que tu marches normalement, tu te sens plutôt bien. Ouais, il va me décrocher le talon celui-ci. Il m'apprend à fermer lacet. Parce qu'en gros, si jamais ça sort, son talon peut se mettre dedans. Et patatrac. Patatrac. Oui allô, vous m'entendez là? C'est mieux la qualité du vlog? Ah bah là le look... Ouais. Bonjour. Regarde, juste si quand c'est un je suis là. Sur la réalité des chaussures. Juste si quand je suis là, juste je pars et tu me regardes, juste ça. Et peut-être que du coup je te dirai, je vais te faire ça et toi tu vas courir et glisser. Mais ça va être horrible ça. Pourquoi ça serait horrible? Je sais pas. Parce que déjà c'est se jeter les genoux en avant, c'est pas si simple. Je sais, je me doute. C'est un peu. On peut changer la fin, hein. Je peux trouver une autre fin. Hein. Faut que ça glisse quoi. Normalement le parquet il glisse. Hein. Ouais, faut que ça glisse, mais faut savoir comment avoir la bonne. Ouais. Parce que tu vois le moment où tu le fais, genre comme ça, ça va. Ouais. Après regarde, sinon ce qu'on peut faire, quand ça c'est fini et que je te fais ça, peut-être que toi tu peux courir sur la scène 1, une vraie course sur la scène 1. Moi je te suis, on monte, bam, et à la fin on fait un truc genre jambes, bam. Fini. C'est pas qu'on va s'en porter là à la fin? Nul, on a déjà fait? Bah, oh non, mais en fait, c'est qu'on a déjà beaucoup d'infos. Viens, on se rajoute rien. Ok. Mais faut un truc un peu fort, quoi, à la fin. En fait, je voyais un truc genre, tu me tiens la main, genre un peu. Ou alors une confrontation comme ça, bam, et tomber au sol. Tu veux rester en l'air, toi? Je sais pas, je veux un truc fort à la fin. Faut que ça chiale. Bon, les gars, on va tenter un truc. Sous ordre du coach, on va essayer d'aller espionner la concurrence. Mais attention, un espion, mais avec du respect. Un espion courtois. Un espion qui demande l'autorisation malgré tout. Permettez que je vous espionne? Je vais vous espionner. C'est un ordre de la direction. Pour la télé. Ah. Ouais, c'est pour la télé, c'est pour la télé. Pour la télé. Je suis pas du tout. Tac, tac, tourne, hop, c'est ça. Oui, j'avoue, bon, on était un peu timide, quoi, de s'insérer dans une salle de danse comme ça en plein entraînement. On s'adapte, hein? J'ai espionné un peu Bugs. On est fiers. Ah ouais? Je tends la jambe gauche. Et tu... après, tu fais un ciseau. Tu fais ça et tu fais. Ciseau. Ciseau, c'est ça. Mais. Ah là, je laisse le corps, regarde-toi. Voilà, faut vraiment que tu reprennes. Voilà, regarde où tu vas. C'est super, parfait. Si tu me fais ça, c'est nickel. Très bien, franchement bien ça. C'est bien là, le fisseau? Ouais, franchement, le dernier là, il était bien. Sur le drop? Ouais, non, le dernier était vraiment bien. Ok, ouais, c'est en hauteur en fait, c'est vrai que moi je vais aller loin. 7 et pli, temps et temps. Très bien, pli, temps et parfait. Super. Allez, on peut plus. Allez, tu mets un peu de carton derrière. 1, 2, 3 et 4, 5, 6, 7 et 8. Très bien.
ça a l'air simple. Non, c'est simple. C'est assez simple quand on a des bases en couple. Quand on a des bases, pardon, en valse, c'est plutôt simple que step. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bouge tout ton corps. Le but, c'est de bouger que les fesses. Isole. Vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6. T'aimes bien ou pas? Moi, ça me l'ouvre. Moi, j'ai envie de sauter. Wow, c'était beau là. Je vais voir, je vais voir ce qu'on va faire. Quelle est clémente, le caporal a accepté que t'ailles boire. J'ai une chance de fou quoi. On découvre le Carlton et tout. C'est vrai que ça donne un peu envie de faire nimp. Il faut savoir faire de base. Je pense que la paupière un peu comme ça. Oui, bonjour. Là t'as eu un mood de regarde. Attends. Comme je saute haut, maman. Oui, mais c'était bien le saut, non? Ouais. Nous de notre côté on retourne en mission espionnage, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était là. C'est Gaël et Jordan. On va voir si on peut espionner. Tu peux espionner? On a la dent de mes choux et Elsa, malgré une côte fêlée. On a une façon de travailler qui est différente de tout le monde. Regarde bien. C'est parti. Ok. Je nage. Veux-tu danser avec moi? Regarde le lapin là-bas. Oh, c'est propre. Ah oui, ils sont balèzes sur la danse de Michou. J'ai des images de Gaël à côté sur la danse de Michou. Ah bah on est en train de la faire là. Ouais. C'est bien. Ah ils ont l'air pas mal. Bien pas pour dire ça. Mais nous on est pas mal, on est super. Ouais exactement, ouais, exactement. C'est exactement ce que je voulais dire. Et là, il est super. Je demande juste le Carlton. 5, 6, 7 et ouvre, ferme, ouvre à droite, une fois, deux à gauche, une fois, deux. À le 8, il faut bien qu'on rassemble en fait. Je dirais rien sur ça. C'est pas moi. C'est moi, pardon. T'as le droit de parler en off. Non, c'est moi. Non, c'est moi, les bleus. Franchement, vous me faites vraiment passer pour ce que je suis. Non, pas. Non, les gens t'adorent. Les gens t'adorent. Moi, je le vois, t'es en train d'exploser. Elle est en train de. C'est assez fort. Non, c'est énorme. On a rarement vu ça. C'est vrai. C'est la bosse. Mais regardez, moi, je vous fais de sa gueule. Et ensuite, tu termines par faire 1, 2. 1, 2. Non, que droite. T'as fait droite gauche. Non, t'as fait droite gauche. Preuve à la fin. 2. Non. Je fais gauche droite. Donne un coup devant et va glisser en arrière. Donne un coup avec ta jambe droite et glisse. C'est ça. Et fin. Bah, la méthode des compliments positifs ici. Inès te rassure beaucoup, elle te met dans un cocon. Où en fait, on se sent comme un nouveau-né capable d'explorer, tu vois, au fur et à mesure. Chaque petit. Je sais pas où il va. Non, mais je. Voilà, comme ça. Oh. Allez, on y va. Ça, que les autres nous détestent. Je comprends pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi il a été speed d'un coup? Pourquoi t'as fait ça? J'étais en retard. Ça m'a épuisé, je me suis vu en retard. On me le verra demain si tu veux, on a le temps encore. Non, non, on peut refaire. Ah bon? Non, on peut refaire. C'est pas moi. Ah non, mais c'est bien de préciser. 7, 1, 2, 4, 6, 8, 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 On peut le faire. Oh. Dans le public. On coupe la musique. J'ai rien entendu. Soirée avec Cristiano Ronaldo, elle était sur son bateau, on a des potins. Ah bon? Oh, je vais vendre ça à RTP. Comment t'as été invitée chez Christian? Non, alors en fait, j'étais danseuse à Saint-Tropez
qui s'appelle l'Opéra Saint-Tropez. C'est un endroit où il y a pas mal de célébrités françaises et internationales qui viennent. Et il a invité tous les danseurs à venir sur son bateau le soir, pour faire la fête, pour discuter, parce qu'il a trouvé qu'on faisait un table de ouf, le show était exceptionnel. Et des mecs, des meufs, enfin vraiment... Trop sympa quoi, des mecs trop gentils. Trop gentils. On a discuté, c'était il y a longtemps, je me souviens. C'était il y a 8 ans, je crois, qui est un peu tout ce qu'on s'est dit, mais je sais pas, on a dû rester une bonne heure. On a bu une coupe de champ et on a discuté du show. On était en train de travailler beaucoup. Il voulait savoir comment ça se passait. Il trouvait que le show était génial, comment on l'avait créé. En fait, c'est vachement. Super intéressé artistiquement, quoi, par toute la démarche et tout. Exactement. C'est hyper intéressé artistiquement, ouais. L'établissement dans lequel on bossait, c'était le plus gros de Saint-Tropez et ils en ont un autre qui s'appelle Le Quai. Et il est revenu dîner au quai. On a refait après une soirée avec lui comme ça. Il a envoyé des bouteilles. Mais cool quoi! Vraiment le mec hyper gentil. Mec détente quoi. Cristiano, homme du peuple. Cristiano hyper cool. Ah génial! Ouais, nous quand on nous a dit ça, on a dit aussi c'est une blague. Ouais. Enfin, on va arriver. Oh, le débrief dans la salle des danseurs. Là, en mode. On était là, genre vraiment, il nous invite. Mais c'est vrai que le show était exceptionnel et tout le monde était genre, mais c'est qui ces gens? Ouais, c'est ouf quoi ce que tu vois. Attends, c'est beau. Et voilà. Bonjour à tous. Ça va Alex? Petit café, brioche. J'ai appris une bonne nouvelle. Ah ouais? De face à face. C'est sur Monde de Tech Live. Tu vois ce que c'est? Oui, bah Tectonic. Mais il joue à domicile en fait, ce mec. Juste. Il faut que je rebosse des moves du coup. Waouh, mais c'est une star qu'on voit ou quoi là? Ça filme déjà. Déjà. Ah bah bravo. Oh non, je suis en train de faire un don à une asso. Tu m'as un café? 3 000 € pour la Croix-Rouge, non, arrête. Ah non, c'est gênant. Non, ça, s'il te plaît, quand même. En fait, il faudrait qu'on ait les barésilles de Tectonic Killer. Ah ouais? Tu as envoyé des messages. Ah oui, bien ouais. Peut-être qu'ils en ont d'ailleurs. Là-bas. Dis-moi, j'ai besoin d'une commande là pour Danse avec les Stars samedi, en gros. Mais lui, il va tout faire pour faire la Tectonic, il a trop envie de la faire. Je sais pas même s'il y a des patchs Tectonic. Il connaît plus ou moins, on va reprendre à peu près le même face-à-face que la semaine dernière. Mais il est déjà en train de me dire, viens, peut-être qu'on peut faire un peu plus de trucs. Mets-toi normal. Et là, c'est juste, qu'est-ce qui se passe là-bas? Voilà, c'est juste ça. C'est que nous, les danseurs, on l'abuse de dingue. Oui, c'est ça. Mais... Du coup, c'est bizarre quand je l'abuse. En fait, moi. Les garçons l'abusent, les garçons pros, parce qu'ils savent le faire. Donc du coup, la fille qu'elle est posée dessus, bah, elle a qu'à suivre. Elle a qu'à faire un, ça le suit, okay. Tu vois. Nous, je préfère qu'on joue la sécurité. Ouais, c'est trop dur, je suis entre les deux en fait. C'est-à-dire que je suis nul, mais je dois lead. Mais si je lead comme font les pros, bah ça rend pas bien. Les faiblesses commencent à ressortir petit à petit. On voit la limite. Le plafond de verre, il est juste là. Alors attends, la bonne musique. Qu'est-ce que je prends là ce moment? Ça distribue quoi. Et sur un pinceau doublé. C'est quoi la photo que je viens de faire? T'en penses quoi pour mon OnlyFans? Tu la trouves bien? Franchement, j'achète. Hein. En fait, le souci, c'est que si on vient trop sérieux sur un son comme ça, après, on peut faire un peu de salsa. Non, mais moi, je pense qu'on peut tout garder, en fait. C'est et poum, 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 et juste la pousse-moi, en fait. Reporte-moi pas. Et là, on prend le temps. On prend le temps et... Ouais, non, mais un truc un peu drôle. On prend le temps, on se met le patch, on se regarde genre, OK, c'est bon. Et là, t'y vas. Non, je fais poum. C'est pas mal tes pieds. T'aimes bien? Les pieds, il y a un truc. D'accord. Mais après, tu le fais dès le début. Vas-y, refais ça. T'es qui toi en fait? T'es devenu mais, quelqu'un. Hein. Refais-moi ça. Tu me le doubles en 8. Parce que ça, tu dois le faire sur 4 et. Ouais, ça passe derrière quand tu montes pas. Ça c'est bien, ça c'est Tectonic. En fait, ce qui aurait été génial, c'est pouvoir coller un. En fait, de remonter, tu sais. Ouais, et d'un coup, on est en mode Tectonic Killer et tout. Ça, ça aurait été incroyable. On aurait pu finir comme ça, genre Tectonic, montrer Tectonic Killer, c'est drôle. Ah, tu vois, t'arrives là, t'as le seum quoi. Mais non? Ah si, t'as le seum. Au contraire, moi je trouve ça c'est encore mieux. PA, si tu tombes là-dessus, tu tombes là-dessus. Ouais, je demande d'arrêter. Le truc, c'est que moi, je peux pas le faire 600 fois, c'est fatigant vraiment pour moi. Non, mais pardon. Je pars dans tous les sens et tout. Là, on a vraiment pas de choix. Pierre Alexis, elle t'a frappé, madame. Je crois qu'émotionnellement, c'est trop. Tu me regardes. Ah, bah oui, parce que je la fais souffrir, je lui casse le dos sans faire exprès. Portez. Je l'ai pas encore frappé, il m'a mal porté. C'est pas pareil. Ça va? Ça va. Ouais, c'est bon.
Allez, on enchaîne. Mal porté, hein. Quoi? Bah oui. Bah PA, je sais le faire, ça. Tu m'as pas envoyé assez d'énergie, du coup je peux pas passer la jambe. Vas-y, on refait, regarde. Oh non. Ah ouais, c'est bah vrai. Non. Bah oui. Mais viens, on arrête ça. On le fait demain. On le fait demain. Ça, là, c'est nul, là, je crois. Yes. Non, mais là, j'étais nul, là. J'étais sans énergie. J'ai senti que là, ça l'a énervé, mais normal. En même temps, là, j'y arrive plus trop et je fais pas bien. Vous êtes bien? C'est toi qui as autorisé la récréation. En fait, j'ai très envie d'aller jouer avec eux. Je suis un peu nulle, mais j'aimerais bien essayer. Souvent, c'est le ballon qui crée les blessures. Ouais, moi, j'ai très très peur de la blessure pour PA. Moi, je vois bien la scène où, genre, tu sais, genre, il veut choper le ballon et il tombe sur le banc ou un truc comme ça. Je veux pas voir ça, je veux pas voir cette scène. Il y a Inès qui est en train de taper un five avec le bouseux à côté. Comment ça, la peur des ballons? La peur des ballons, mais quand t'es plus là. Il est en tournage. Il est chaud. Et voilà, on y retourne. Franchement, vous êtes ça? Ah, mais c'est une déclencheuse, ça y est, elle a peu. Elle a même ses propres mouvements maintenant. Comment elle est bien? Ah non, non, bah, ça va en métropolis, ça, en 2006, ça. Il a failli mettre un chassé à ta danseuse. C'était sûr. Oh, on me dit c'est la guerre. Ouais, j'avance, désolé. Ah merde, le patron. Non. Oh merde. Ouais. Inès, t'as dansé. Non, mais il y a tout le monde, elle est trop bien l'ambiance de cette salle. Marche. Oh oui. Tu sais qu'on l'avait fait maintenant. Je sais pas. L'atterrissage, je l'ai travaillé et je comprends les genoux hier du coup. Ouais. Parce que quand je me faisais avec Elsa, j'étais en mode mais ça m'explose les genoux. Après, t'as peur, tu sais, genre taper, donc t'es en mode. Ok, on refait. Mets-toi dans le coin, s'il te plaît, on va faire le mot. Pardon. Moi j'étais pas fan, mais avec Pierre qui fait les musiques aussi, oui. Elsa et tout, on réfléchissait, on se disait un délire à la kiffance, un truc comme ça. Et en fait, je trouvais que ça faisait bande organisée, ouais. Mais moins bien. Mais en fait, la tectonique. Ouais, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Bah, tu vois, en fait, t'as des pas marqués quoi. Non, j'espère que ça va bien se passer, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses putain. J'ai l'impression que passer pas ouf, mais j'ai regardé d'autres trucs de danser avec les stars et tout, je suis en mode bon. Après, ça m'aide d'être comme ça parce que ça me permet d'être meilleur, tu vois. En vrai, le truc avec Elsa, Alizé et tout au début rend bien. Et en fait, c'est vraiment ce truc où faut que je réussisse à avoir le bassin en avant quoi. Après, je peux pas marcher. Mais si. Fais une transition ringarde. Allez, on se retrouve juste après sur le Prime. Qu'est-ce qu'on fait, Alex, ce soir? Écoute, passe au. T'as une réponse. Non, bah, c'est pas la bonne. Une masterclass. Bien sûr, la une finale. Une finale. La cool site. Minimum. Voilà. Minimum, c'est tout ce que je lui demande. Oh, la pression. En vrai, j'ai vu la Corée. Je pense qu'il y a moyen. Il y a moyen. Oh là. Mais faut se donner. Ouais, faut se donner. Mais moi, je pense qu'il y a moyen. Si on veut qu'il soit en finale. Tu vois ça là, la virgule Nike, ouais. Le point d'interrogation, c'est très important. Okay. C'est ce qui va le faire gagner. Oh là 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 là. J'y vais les compos. Excuse-nous, ce serait pas un kiffeur ici ou pas? C'est à peu près mes trois moves. Oh, le céréal kiffeur. Y'a pas
Ça va. Ouais, ça quoi. Ouais. C'est un peu décevant quoi. Il m'en fout, mais. Ah non, bah, je me doute bien que c'est pas fou, merci. Ouais, j'étais pas en train de me dire, je suis en train de préparer le banger de l'année là. Ça manque d'un ou deux moves, de vrai move. Ouais, peut-être, ouais. Par exemple, quand je vois la diff entre Inès et toi, c'est le jeu de jambes en plus. Ah ouais, moi je bouge que le haut. Ouais, enfin, c'est l'impression que j'ai. Enfin, moi, je suis, c'est totalement vrai. Hein. Donc, il y a aucun souci d'ailleurs. Hein. Non, mais, voilà. Je veux pas perdre mon taf en fait. Non, aucun problème. Après, tu vas réussir le passe au double. Ça y est, il a déco, il a déco. Ah non, je suis fatigué de fou. Hein. Ah mais je comprends. J'ai fait 4-5 fois la répète passo, ça m'a tué. Ça fait depuis quelle heure? 11h. Regarde, ça c'est le boss qui arrive là. Et là. C'est tectonique mec. Hein. Et là, Oh là là. C'est incroyable, il a... Bah ouais. Oh là là. Et il repart, comme un prince. Il nous apporte un peu de bonheur, comme ça, et on prend ce bonheur. Je suis un gars généreux. Pas sur la photo. Pas sur la photo de début. J'espère être sur un contenu, mais bon. Peut-être le vlog de Gaël, là, je peux peut-être l'escroquer, là. Ah, la mèche n'est plus là. Voilà. Elle est importante cette mèche. C'est cette mèche qui fera la finale, mec. Tu penses? Ouais. Et là, ça va? Ouais, en vrai, ouais. Elle nique sa mère. Là, l'entraînement pendant les magnétos. J'espère que c'est mon signe. Ouais, franchement. Ouais. Putain, le saut, je l'ai chié. Mais il était trop bien. Ça a pas vu? Non, franchement. En fait, genre, Inès, elle s'est pris dans le collant. Okay. Du coup, ça l'a déchiré. Donc, elle me disait, moi, je me suis pas rendu compte, mais elle pouvait pas me tenir la main. Non, mais du coup, 4-8 du jury. En plus, Fauve, elle me donne des conseils sur. Parce que c'est vrai que je suis comme ça. On a du mal. C'est difficile quand t'es streamer de dire que t'es timide parce qu'on est face à des milliers de gens. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs où c'est vraiment pas naturel pour moi. Mais là, honnêtement, un peu comme la dernière fois, je sais même plus comment réagir parce que on se retrouve avec 4-8 du jury et vous m'avez mis un 10, et ça, merci. Là, si tu restes en cool seat, genre c'est semaine pro encore Si je reste en cool seat, ensuite c'est finale, et la finale elle est sur TF1, vendredi 29 mars. Donc là, tout se joue sur la danse de Gaël. On va voir, j'aimerais bien rester dans cette tenue, moi. Égalité entre Domingo. Oh, Domingo. Égalité entre Domingo et Natoua, 52 points. C'est basé sur toute l'aventure jusqu'à présent. C'est Domingo et Inès. Ouais. Qualifié pour la finale. J'ai sauté joie quand on m'a dit Domingo, j'ai oublié mon rôle, j'ai dit yes. Bien joué. Qualifié pour la finale, on s'est bien amusé sur le truc là, on s'est un peu marché sur les pieds, mais ça va faire la finale hein, avec la légende. Let's go. T'es grand, juste. T'es content, t'es fier non, de moi. Non, franchement, j'ai trop fier. Oh, ça fait ouais, ça fait ah, je mets les vrais yeux. Ouais, non, vraiment. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé, c'est incroyable, on est qualifié pour la finale. Ce sera le vendredi 29 mars en seconde partie de soirée sur TF1 avec Gaël et Natou. C'était incroyable, honnêtement. J'espère aussi avoir continué un peu à vous surprendre. J'avoue que je suis sorti de ma zone de confort. Bientôt 900 000 abonnés sur YouTube, je compte sur vous. On se retrouve bientôt pour un prochain vlog. Et il y a ma maman, je vais faire un câlin. Oui. T'as trouvé ça bien?